Frédéric Petit, qui est notre rapporteur budgétaire sur l'action culturelle. Merci Madame la Présidente. Donc je salue évidemment ton rapport auquel nous en avons déjà beaucoup discuté ensemble. Et en particulier, j'ai été extrêmement revigoré par les deux approches que nous avons qui sont différentes. J'ai été extrêmement revigoré par le fait que nous avons beaucoup de conclusions en commun, en particulier celle du pilotage. Et je crois effectivement que le pilotage de l'enseignement français à l'étranger est aujourd'hui un problème prioritaire par rapport au financement. Il faut se battre pour maintenir les financements, mais ça ne servirait à rien de parler des financements si on ne reprend pas ce pilotage, et en particulier un pilotage commun des quatre opérateurs de base que sont le CNED, tu l'as rappelé, le CIEP, le programme mondial, le partenariat mondial de l'éducation et même l'APD. Je voudrais, pour aider nos collègues à comprendre des choses qui sont parfois mal connues, que tu reviennes sur un sujet précis qui concerne les ressources humaines. Nous avons des enseignants, nous avons des inquiétudes parmi les enseignants. Nous avons en gros pour les collègues 1000, ce qu'on appelle expatriés, c'est-à-dire 1000 cadres. Nous avons 5000 résidents, c'est-à-dire des professeurs qui sont soutenus, qui sont protégés. Et nous avons à côté de ça 30 000 autres enseignants dans ce réseau qui ne sont pas pris en compte par l'État français. Et dans ces 30 000, nous en avons 4 000 qui sont ce qu'on appelle des TNR, c'est-à-dire qui sont des postes français, mais qui prennent le risque de partir hors de tout contrat, en brisant leur carrière quelque part avec une grande injustice, ce que tu as appelé iniquité et que je partage. Ce que nous appelons, c'est détaché direct. Est-ce que tu pourrais revenir sur non seulement comment tu vois les statuts qu'on pourrait inventer pour ces gens-là, d'une part, pour ceux qui vont partir, mais aussi parce que ça désengorgerait la formation des étrangers qui veulent venir se former dans notre système, qui existent et aujourd'hui qui sont pénalisés et qui ne peuvent pas le faire. Et à quelle échéance, toi qui es de l'intérieur, qui connais bien ce monde-là, à quelle échéance tu penses qu'on pourrait arriver à faire évoluer les choses pour pouvoir exploiter cette colossale, comme tu l'as dit et que je partage, cette colossale énergie qui pourrait, en quelques années, multiplier nos capacités dans l'enseignement français à l'étranger. Merci. Frédéric Petit, pardon, par rapport aux ressources humaines. Alors, bon, c'est un sujet, on sait, qui effectivement inquiète parfois beaucoup nos collègues enseignants. Moi, je suis effectivement, comme toi, préoccupée par le fait que beaucoup des TNR sont dans des situations extrêmement compliquées. Ils mettent leur carrière entre parenthèses, ce qui effectivement n'est bon pour personne, ni dans leur projet de vie, ni également pour ensuite la valorisation de leur carrière dès lors où ils veulent rentrer en France. Donc nous avons un vrai sujet d'équité, là aussi, à traiter. Et par rapport à ce que j'ai fait comme proposition, le détachement direct me semblait une alternative intéressante. Maintenant, je dirais, comme dans toute réforme, si elle n'est pas consensuel au sens de sa mise en œuvre, je crains que malheureusement cela soit voué à l'échec, alors qu'il y a un véritable intérêt, il y a une véritable, je dirais même un véritable enjeu à ce que peut-être l'EFE se penche davantage sur ce statut qui n'est pas le statut de résident, mais qui permettrait justement peut-être à des TNR d'avoir accès à la promotion de carrière comme ils y ont droit du fait de leur titularisation. Et sinon, je ne vais pas perdre de temps plus que ça à vous expliquer, mais un enseignant peut avoir quatre catégories, je dirais, de statuts, qui passeront de ce que tu disais, donc TNR, un titulaire, le même titulaire d'éducation nationale peut être TNR, peut être résident, peut être détaché en contrat local ou peut être expatrié, et ça a des conditions qui n'ont strictement rien à voir, mais tout ça peut être la même personne sur, 5, 10 ans, 15 ans, et avoir des conditions qui passent du simple au quadruple sans aucune difficulté, là encore, à démontrer. Donc tout ça pour dire, quadruple au sens pas forcément du salaire en lui-même, hein, mais je dirais des conditions et même ne serait-ce que de l'avancement de carrière. Voilà, donc oui, il y a un véritable enjeu à repenser le statut de manière concertée. Par contre, ça me semble être indispensable parce que là encore, c'est des conditions de vie personnelle qui sont en jeu. Donc, il faut traiter le sujet avec beaucoup d'attention, mais aussi peut-être avec beaucoup de délicatesse. C'est juste pour bien préciser pour mes collègues, parce que je voulais réintervenir
là-dessus. Il faut avoir conscience que on a 500 lycées. C'est une réponse aussi à Nicole. Il y en a 300 qui sont aujourd'hui privés, contributifs. Privés et contributifs. C'est-à-dire qu'ils ne coûtent rien à l'État français et ce ne sont pas les plus chers pour les familles. Hein, on a une image qui est donnée par l'agence de son réseau qui est un peu faussée parce que et il faut être très attentif que Samantha n'utilise jamais le mot d'agence, elle dit le réseau d'enseignement français à l'étranger. Hein, donc en fait c'est absolument pas contradictoire parce que ces moyens sont là. Et alors comme ça je reprendrai pas la parole après Madame la Présidente, d'autant que le problème qui est posé par Jacques Maire, qui est celui de la mise en cohérence de tous les moyens qu'on met, pas uniquement ceux de l'AEFE, c'est-à-dire du CIEP, ce que tu as dit, c'est-à-dire du CNED. Hein, chaque fois que le CNED travaille avec l'AEFE, on a un effet d'explosion des moyens disponibles qui est énorme. Ça coûterait trois fois rien à l'État français de dire le CNED est gratuit dans certains cas. Et c'est ce qui se fait quand un lycée ne peut pas ouvrir avec le nouveau bac. On va avoir beaucoup de CNED dans les lycées français pour remplacer un certain nombre de matières. Donc on a d'abord un problème de pilotage. On a un défi de pilotage avant d'avoir un défi économique. Après, on aura des défis économiques, Samantha le rappelle. Après, il faudra mettre peut-être un peu plus de moyens, etc. Mais d'abord, on a aujourd'hui un problème de pilotage et de cohérence de notre action. Je voulais juste rajouter à Christian l'exemple et à Alain l'exemple du fait que ces 1500 ne sont pas un coût, non seulement avec l'explication qui a été faite, mais également avec la coordination dont a parlé Jacques. C'est-à-dire, dans un des 23 pays de l'APD, si on s'organise bien et si on pilote bien, c'est tout bénef. C'est tout bénef. C'est-à-dire, voilà. Et on a des gens motivés aujourd'hui dans l'éducation nationale. Dans ma circonscription, on ouvre un lycée au Monténégro. Il y avait 10 candidats, c'est-à-dire 10 candidats qui voulaient partir en arrêtant leur carrière ici pour aller enseigner au Monténégro parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils disent, moi, ça me plaît, je préfère partir au Monténégro et voir ce que c'est, quoi. Donc, on a du monde et je pense qu'on aura des moyens. Merci beaucoup. Ajoutons que nous sommes quand même... C'est une fierté pour la France hein, d'avoir ce réseau mondial. C'est le premier réseau mondial. Et moi, je trouve que, quelque part, on ne le valorise pas suffisamment, que c'est une capacité d'influence absolument remarquable pour notre pays. Premier réseau mondial, ça n'est pas rien. Et je trouve que, voilà, on doit aussi en être fiers et le faire fructifier. Samantha, un grand, grand merci sur les applaudissements de notre commission pour cet excellent travail. Et cet excellent rapport. Vas-y. Juste pour terminer, je tiens à remercier aussi mes collègues français de l'étranger qui sont derrière moi, dont certains sont présents, soutiennent également les budgets. Anne, le 151, et puis Frédéric, également le 185. Et nous serons derrière vous pour non seulement les soutenir, les contrôler, mais faire en sorte aussi qu'ils soient abondés. Merci.